bazar, c'est le bazar. C'est le 11. Tu peux l'ouvrir, mon bébé chat. Allez, Mila. Allez, Mila. Allez. Qu'est-ce que c'est? On veut voir. On veut voir. On veut voir. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit kit Hello Kitty avec des stickers, des crayons, un tampon. Waouh! C'est chouette, dis donc! Oui, c'est Kitty! Ah, bah oui, c'est Kitty! Oui. Des choses Hello Kitty, regarde! Les stickers, ils sont là, c'est trop chouette! Le petit carnet. Le petit carnet, il est blanc, donc tu vas pouvoir mettre des stickers où tu veux. Ça, c'est un tampon. C'est un tampon Hello Kitty. Attends, maman. Ah ben non, c'est toi qui le fais, mon cœur. C'est Mila qui le fait. Attends. Mila, tu dessines. Regarde, j'écris Mila. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Mila vient d'ouvrir à l'instant son calendrier de l'Avent. Nous sommes le 11 décembre, qu'est-ce que ça va vite, dis donc, dans 13 jours, c'est déjà, enfin 13, 14 jours, ouais, enfin ça dépend si on dit Noël, c'est le 24 ou 25, Noël c'est le réveillon, le lendemain c'est le 25, je ne connais pas des masses dans tout ça, j'ai l'air un peu bête là, mais c'est pas grave, donc dans 14 jours, c'est déjà Noël, ça va très très vite, dans 2 semaines tout pile en fait. Est-ce que vous avez déjà tous les cadeaux pour votre famille, etc? Moi j'ai une bonne partie. En fait tout ce qui est femme, tout ce qui est féminin dans mon entourage, j'ai déjà tout. Par contre tout ce qui est homme, il faut seulement que je m'y mette un petit peu. Je dois aussi aller chercher, je vais offrir le parfum. Ma maman n'a plus de parfum dans sa bouteille de parfum. Donc je vais lui racheter une bouteille de parfum aussi. Et puis voilà, donc j'ai encore quelques petites courses de Noël à faire. Mais ce sera pas pour aujourd'hui. Par contre, peut-être demain. Ce sera pas pour aujourd'hui pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui c'est dimanche. Oui. Donc peut-être demain ou après-demain, je verrai bien selon, selon si j'ai envie de bouger ou pas. Sachant que Alex, aujourd'hui il est encore à la maison, mais à partir de demain il repart travailler, vous savez, dans la maison qu'on refait, enfin qui refait, surtout lui là pour le coup. C'est pas une maison dans laquelle on va déménager, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est une maison pour faire de la location quand elle sera terminée, mais il y a beaucoup de travaux à faire encore. Je l'ai déjà montré dans un vlog précédent il y a assez longtemps, donc voilà. Alex part demain pour 2 ou 3 jours, donc je vais me retrouver toute seule avec Mila. Je suis un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça, il faut bosser, c'est la vie, hein. Bon, Mila a décidé de coller ses stickers sur mon armoire adorée. C'est pas très joli, mais bon, je la laisse faire, hein. Faut bien qu'elle s'exprime, cette enfant. Alors, il est... je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 17h46. J'ai pratiquement rien fait aujourd'hui parce que je me suis encore chopée une migraine de malade. Oui, pour changer, c'est top, j'adore. Je suis fan, complètement. Vous êtes nombreuses à me dire dans tous mes vlogs, en fait, que je n'ouvre plus mes calendriers. Donc, sachez que les bougies, je continue à les ouvrir. Mais c'est vrai que celui-ci, je ne l'ai plus ouvert. Pourquoi je ne l'ai plus ouvert? Parce que j'avais pas le temps, et j'allais dire par flemme, parce que c'est presque ça, oui, j'ai la flemme d'ouvrir mon calendrier de l'avance, c'est pas la classe. Non, mais tout simplement, les bougies je les allume le matin, donc forcément je pense à en prendre une nouvelle, et le calendrier, eh bien j'oublie, enfin celui-là j'oublie. Surtout qu'une fille m'a fait la réflexion que sans doute mes cases sont inversées, parce que les messages sur les boîtes, enfin mes produits sont inversés, parce que les messages sur les boîtes n'ont aucun rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, donc c'est à dire qu'il y a eu des erreurs et des petits cadeaux inversés dans chaque boîte, donc voilà, c'est un petit peu dommage, on va dire. Je ne sais même plus où est-ce qu'on s'est arrêté, donc je pense que j'ai ouvert 3 ou 4 fois et c'est tout, donc imaginez le nombre de boîtes qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Bon, le 6 clairement je ne l'ai pas ouvert, hein. Et là si je dis pas de bêtises, on est le 10 ou le 11, on est le 11 je pense, donc déjà je peux ouvrir le 6. Alors, d'accord. Une pluie de paillettes pour les éblouir. On va voir ça. Ok. Quel est le rapport avec une pluie de paillettes pour les éblouir? Quelqu'un m'explique. C'est un vernis rouge. Donc c'est toujours The Body Shop, bien sûr. C'est un Color Crush. Voilà, il est très joli. C'est un vermillon, rouge vermillon. Alors, on va ouvrir, eh bien, la 11. On va pas le faire dans l'ordre, hein. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ça, c'est censé être aimer la nature, enrichir la planète et changer de monde.
Donc c'est un concentré de jeunesse, c'est un petit sérum qui est comme ceci. Je sais plus du tout où j'en suis en fait. La 7, alors la 7 c'est censé être belle au naturel. Crème de jour hydratante. Voilà, voilà. Alors il manque quoi? Le 9 qui est ici, le 8, le 10 et je pense que c'est tout hein. J'étais un tout petit peu en retard quoi. On va ouvrir la 10. Alors c'est censé être enrichi des ingrédients naturels de la plus haute qualité. Mais bon, mon calendrier est complètement, je pense, complètement mélangé. Donc les messages ça n'a rien à voir quoi. C'est skinny eyeliner feutre fin. Donc moi j'ai un problème avec les eyeliners, c'est que ça me fait toujours dans un de mes yeux plus qu'à l'autre, mais ça le fait aux deux. Ça me fait couler les yeux, c'est pour ça que je le fais pas tous les jours, parce que j'adore le eyeliner, je trouve que ça me va pas trop mal au final. Mais ça me fait couler les yeux tout le temps, enfin j'ai pas encore trouvé un eyeliner qui me faisait pas couler les yeux. Au final ils me font, ceux que j'ai à la maison en tout cas me font couler les yeux, c'est un peu pénible. Alors le 8, qu'est-ce que c'est pour la déesse qui sommeille en toi? Linge de nettoyage en mousseline. Coton issu de la culture biologique. Bon mais ça je pense que c'était plutôt dans la boîte naturelle machin. Voilà. Oui, ça n'a rien à voir avec le message qui est indiqué. Donc c'est un peu... c'est un peu dommage ça je trouve quand même. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui l'ont reçu comme moi, parce que moi je l'avais reçu via Octoly gratuitement. Vous me direz si, si les autres aussi elles ont eu les trucs mélangés, parce que bah je regarde, enfin j'ai pas trop le temps de regarder. Mais si vous êtes au courant n'hésitez pas à me le dire. C'est le moment de faire un vœu. Bon ça, ça peut aller avec tout et n'importe quoi. C'est une crème de nuit nourrissante, vitamine E. Super, parce que j'ai plus vraiment de crème de nuit. Donc je vais pouvoir tester celle-là. Donc là, vous entendez peut-être des pas à l'étage. En fait, Mila est avec son papa en haut. Je pense qu'ils sont en train de regarder un Disney à la télé. Voilà, vu qu'Alex part, eh bien normalement il devait partir ce soir, mais au final il va partir demain matin, je pense. Parce qu'il a un petit contretemps. Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué, il part pendant 2 ou 3 jours même. Donc je déteste ça parce que j'aime pas être toute seule chez moi quoi. Enfin je suis pas toute seule, je suis avec Mila, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Je n'aime pas ça du tout, mais bon, il faut bien avancer dans cette maison, il faut bien la terminer. Alors je suis sur mon ordi et je vous reprends 2 minutes. Il y a un truc hyper méga important. Parce que j'ai remarqué que vous me laissiez parfois des messages comme quoi vous aviez été désabonné de ma chaîne. J'ai reçu quelques messages comme ça il y a... ça fait 2 ou 3 jours que j'en reçois en fait, en me disant mais c'est quoi ce délire, j'ai été désabonné, etc. Oui, il y a des petits changements à ce qui paraît sur YouTube en ce moment qui font que il y a des gens qui sont désabonnés comme par magie. C'est un petit peu bizarre mais bon voilà, soit il y a peut-être un petit bug en ce moment, je ne sais pas. Donc faites attention à ça, si vous êtes désabonné, ben réabonnez-vous hein. Et surtout il y a un changement dans la visibilité sur YouTube, c'est à dire que maintenant vous n'allez pas forcément voir mes vidéos, les vidéos qui viennent de sortir en page d'accueil, alors qu'avant généralement dès que la vidéo elle sortait vous la voyez sur la page d'accueil dans les dernières vidéos sorties. Donc si vous voulez continuer à voir vraiment la vidéo quand elle vient de sortir, ce qu'il faut faire c'est activer la petite cloche. Donc la petite cloche, si vous voyez pas ce que c'est, quand vous êtes sur la vidéo, vous êtes en train de me regarder sur la vidéo, juste en dessous de la vidéo vous avez le titre de ma vidéo, en dessous vous avez ma petite photo de ma belle petite tête avec ma couronne de fleurs ainsi que le nom Mila Baby Chou, et en dessous de ça vous avez, si je me rappelle bien, le nombre d'abonnés à droite, et au milieu vous avez une espèce de petite cloche, un tout petit carré avec une espèce de petite cloche. Eh bien il faut activer la cloche, comme ça vous aurez toujours eh bien, les infos quand ma vidéo vient de sortir, vous ne raterez plus mes vidéos. Donc n'hésitez pas, eh bien, si vous êtes quelqu'un qui me suivait assez régulièrement, à activer la cloche. Parce que ben ça change pas grand chose, sauf que vous ne raterez plus de vidéos, étant donné que là je vous dis en fait quand mes vidéos sortent maintenant je pense que vous les voyez plus forcément. Beaucoup de personnes savent très bien que c'est à 18h par exemple les vlogs, mais c'est vrai que pour les autres vidéos c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'heure. Donc autant activer cette petite cloche hein. Donc moi j'ai vraiment une tête de super malade, vous faites pas attention, mais je suis vraiment pas dans mon assiette. C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, faudra pas m'en vouloir. Mais j'avais pas à vous laisser sans nouvelles bien sûr hein, parce qu'autrement si je mets pas un vlog pendant les vlogmas, là ça va, je pense que vous allez penser que
que je suis décédée en fait. Non mais sérieusement, voilà, je pense que j'ai un peu chopé la crève. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ma mère avait la grippe et j'ai vu ma mère il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'elle me l'a pas refilée parce que je sais qu'il faut toujours 2 ou 3 jours pour que le virus en fait se propage dans notre corps. Donc j'espère que c'est pas ça qui est en train d'arriver, hein, parce que la grippe, eh bien un 11 décembre, je préfère l'éviter, oui. Vous vous rappelez le tampon Hello Kitty de ce matin? Je peux pas la laisser 2 minutes avec Alex pour qu'il me la rende, qu'elle a fait des bêtises. Je vais lui donner à manger. Regardez comment elle est toute choupette. Bon, mis à part le tampon Hello Kitty. C'est joli, hein, la petite tenue, là. Mila. Allez. Allez, goûte au moins. Goûte. Tu goûtes. Vous pensiez qu'elle est toujours sage. Mais oui, bien sûr. Tu auras autre chose après. Maintenant, tu manges. Allez, on mange maintenant. Allez, c'est très bien. Toute la place dans le lit. Maman, attends tout. Check. Elle dit au revoir avec la check. Main. Tap. Oh, bon, sur ce petit vlog. Je vais me coucher. J'en ai besoin. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. J'espère qu'elle va bien vouloir dormir parce qu'elle est très énervée là. Bisous, à demain.